Allez, l'ouverture de la course est éloignée, donc on vous avait prévenu, et ça va très très vite. Voici l'homme qui va remporter cette édition 2015 sur ce 5 km. Là, vraiment, on a été très vite. 17:35, un beau rebondissement, mesdames et messieurs, sur la ligne d'arrivée. Voici l'arrivée d'Anthony Garci, et c'est un Jean Cadet de l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon. Anthony Garci, qui a réalisé vraiment une très grosse performance. Anthony Garci, un cadet de l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon. Allez, pour la deuxième place sur ces 5 km. Et c'est Quentin Grotteau. Quentin Grotteau, le nez sur l'air, il est suivi de Grégory Bétoul, de Rueil-Malmaison. Grégory Bétoul pour la troisième place. James Augereau, qu'on retrouve. James Augereau, Aurélien Guignon. Et Tony Martignon, de l'Entente des Vosges également. Cadet Alexis Bernard. Il est minime. Non, c'est Philippe Péan. Non, Alexis Bernard minime. Pierre Péan, Alain Pubert. Le 5239. Marc Dedenis, de la Coupe de Roche-sur-Yon. François Tarot, de l'Entente des Vosges, et William Bass du club de La Roche-sur-Yon, le dossard 12-25, et le maillot vert de l'Entente des Vosges, François Tarot. Et toujours sous vos applaudissements, merci les yeux publics, Théo Archambault, de la série Erwan Richard, de l'US Ballon-Lanzac, l'URT, Qatar, Arthur Guédon, et Guillaume Strockmer qui vient de passer la ligne d'arrivée. Guillaume également cadet, c'est deux cadets. Guillaume Strockmer et Arthur Guédon, l'un du club de La Roche-sur-Yon, le second du club athlétique de Frénois, le grand. Belle arrivée devant un public merveilleux qui accompagne les athlètes tout au long de cette belle ligne droite, ces 100 derniers mètres, sur ce 5 km. Allez, vos applaudissements, mesdames, messieurs. Voici l'arrivée de Céline Servec, première féminine. Céline Servec de la Florie et les Aubrais, Sarant, première féminine. Et suivi de Laurent Hubert. Céline Servec, première féminine, qui a réalisé une très belle performance. Et en dernier, nous retrouvons Dominique Hermoué et Daniel Dubin. David, pardon. Ah, j'ai... l'ordinateur m'a relu Daniel, mais c'est David. Et suivi d'Éric Bacolini, Nicolas Guillou de Longeville-sur-Mer, la deuxième féminine, Corinne Vandalen, la Gondosar 5127, avec Jimmy Carpentan, Michael Legrand, Clément Dersoir et Bruno Dersoir, les kékés de Noailles. Il y a des kékés aussi à Noailles. Allez, mesdames, messieurs, vous avez Samuel Sidi, qui n'est pas aujourd'hui poussin, mais il est bien vétéran 3. Donc, Damrier, Athletic Club. Perrine Kersizan, la troisième féminine, qui vient d'en franchir première minime de Nomont Athletics. Je crois qu'elle vient participer chaque année en vacances à Longeville. Perrine Kersizan, avec l'arrivée de Maël Marteau, également minime, de l'USA Fontenay-le-Comte. Suivi de Valentin Grolot. Bien sûr, sur 5 km, on a beaucoup de jeunes athlètes, cadets et minimes. Valentin Grolot. Et Jean-Claude Denis, qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Il est suivi de Hugues Blandin et Antonin Boucher de Chalonne-sur-Loire. Et également cadet Jérôme Payen. Et de la du club de Roche-sur-Yon, Gervais Tirton. Gervais Tirton. Et toujours sur cette belle ligne d'arrivée, vous pouvez applaudir l'arrivée de Baptiste Crépeau. Le voici, ce jeune minime, deuxième minime. Laurent Grosmarie, Jean-Pierre Bonnet de la Trépide d'Angers.
le maillot distinctif du club d'Angers de l'Intrépide, fait maintenant partie de l'entente athlétique Angers. Jean-Pierre Bonnet, donc je l'ai dit, et Philippe Mallet. Philippe Mallet de Saint-Hilaire-des-Loges. Et nous avons Claire Brochon. Claire qui sera la première junior fille, suivie de Françoise Héroux. Et j'ai Laura Bréard. Laura Bréard qui sera la deuxième senior fille licenciée du club Ouest Vendée Athlétisme de la section et de la section des Sables étudiants club. José-Philippe de Sologne, minime. Et nous aurons l'arrivée de Claire Clément Gattard. Claire Clément Gattard, premier vétéran 4, vous pouvez l'applaudir. Claire Clément Gattard, V4, c'est plus de 70 ans. Donc voyez, c'est une performance pour Claire Clément Gattard sur ce 5 km qu'il réalise en à peine 25 minutes. Et l'arrivée de Louise, Jeanne Fauvel de Cherbourg, Corentin, et voici l'ensemble des Gallois, ou des Écossais, je ne sais pas s'ils sont Écossais ou Gallois, hein. Écossais, allez, Écossais. Et l'arrivée également de Mélodie Garot, qui sera la première cadette. David Laplace, Yannick Ellis, Benjamin Lafrogne. Benjamin, Régis Rousseau, Théo Denis. Théo, alors mettez les dossards devant pour qu'on puisse vous reconnaître là. Hein. Eh oui, mieux vous en reconnaît. Régis Rousseau, Théo Denis, Vincent Villain, Martin Chopin, Émilie Boucher, l'USA Fontaine-Comte, et qui sera la deuxième minime fille. Deuxième minime, et Florine Martineau de l'Entente des Bauges. La troisième minime, Thierry Monnier de Longueville-sur-Mer, Stéphane Chopin, Thierry Monnier, Alexis Chevalier, d'accord, c'est bien. Allez, donc... Allez, l'arrivée pour Ingrid Martineau, Clément Charrier. Et Clémence Meunier, Clémence, Stéphane Guillon. Ah, je croyais que c'était la première. Jacques Guillemot, qui vient d'arriver, David Guillemot, Guillaume Tenaillot. Paul Turgat, Pascal Trichet, Dani, là aussi, Dani, elle est là, présente, et elle sera troisième V1, et l'arrivée également pour Karine Foissard, Karine, dans un 561, et Baptiste Vettel, Thierry Roy, Alban Roussel, et Ferriel Barbé, une féminine, cinquième minime fille. Et nous avons l'arrivée de Christian Sureau.
Mathieu Cibert, Nicolas Couton de Curzon, Nicolas Benoît Tricouard de Sainte-Cécile, Camille avec un E, Camille Rousseau, une mini-fille sixième, mini-fille de la SEC de la Pomerée, avec le sourire, Camille, c'est bien. Et nous avons l'arrivée de Salomé Audouy, une cadette, deuxième cadette, suivie de Valérie Bouju, cinquième vétéran 1, et Stéphanie Philippot de Chefois, avec Sandra Bégnon d'Avrier, et nous avons également Alexandre et Stéphanie Cordier. Allez, l'arrivée pour Raphaël Vignon, ainsi que Pierre Soustac, qui sera suivi de Daline Bûcher et Isabelle Bonin, Xavier Godichaud et Lynn Giraud également. Vous voyez que... Et on va retrouver, est-ce qu'on retrouve Marion sur la ligne de départ rapidement, juste avant le départ du semi-marathon, Marion? Voilà, on retrouve la ligne d'arrivée et l'arrivée de Manon Guion qui a terminé sur ce 5 km de l'Empore du Mouche. L'arrivée de Manon Guion qui vient de franchir la ligne d'arrivée devant Isabelle Lalucelle. Manon Guion qui fait 7e, mini-fille Isabelle Lalucelle et Patricia Bernard. Alors que le départ vient d'être donné à Longeville, on retrouve Mario Hérault. Le départ, un départ rapide, Mario? Oui, en effet, un départ plutôt rapide. Alors pour l'instant, c'est un départ encore très très coupé, mais je pense que le premier kilomètre, il y aura déjà une étape qui se sera formée. En fait, c'est un relais, le départ 2068. Et en fait, ensuite, nos par 171 et 547. Merci, Marion. Donc, on a un relais qui est parti très très fort, Marion, sur ce départ. Et bien sûr, Anthony Bédel, c'est son premier semi, Anthony Bédel, de notre métropole, l'actrice de la section de la TC La Chapelle-sur-Ain, qui vient de partir très rapidement. Allez, les arrivées se succèdent, Myriam Boucher, et c'est le relais. Le team, oui bien sûr, c'est le team de l'Entente Nord Anjou, Angers, qui vient de prendre la tête à départ rapide. Ces deux garçons qui sont très 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 rapides pour ce relais. Ce relais composé de Sébastien Brien et de David Cotin. David Cotin, donc extrêmement rapide. Et alors que les arrivées se succèdent, allez, on retrouve Marion et déjà. Ah non, vous n'êtes pas encore au premier kilomètre, Marion. Ah non, bien sûr, pas encore au premier kilomètre, mais pour l'instant, en fait, toujours donc, le relais avec le dossard 2068 et 2036. Mais après, pour les coureurs en solo, ce sont les dossards 547, très largement devant déjà, environ 20 mètres, puis le dossard 171 qui le poursuit. Et ensuite, on peut le
Pardon, non, voyons, excusez-moi. Voilà, merci Marion, et ça va très vite, on a un temps à peu près au premier kilo. Oui, merci Marion, donc en tête après un kilomètre de course, Michael Kerminon de Malaron, Michael Kerminon qui est parti très vite, mais il a des favoris au podium, Anthony Bedel, et en deuxième position, nous retrouvons également Nicolas Tabarro, de la Télécom de la Roche-sur-Yon, en troisième position. Le quatrième étant Arnaud Joinjean, des ICRI, alors que termine Viviane Denis. Et nous avons également dans ce groupe de tête Christophe Madron, le Parisien. Alors, on va... Allez, les arrivées de Loïc. Et l'association Autisme Sans Frontières, 85, qui œuvre en faveur des jeunes autistes. Toute l'équipe de bénévoles vient de franchir la ligne d'arrivée. Allez, l'arrivée pour Elodie Goudou. Et on va retrouver pratiquement au deuxième kilomètre, Marion, vous approchez du deuxième kilomètre, Marion. Alors on en approche, mais on n'est pas encore tout à fait, on est encore dans le centre de monde, on passe à côté de l'église de Longville, donc pas tout à fait le deuxième kilomètre, mais pour l'instant toujours en tête un peu les gars, avec le total 2068, et puis après toujours en tête total 547, 171 et 542, 580 et 534. Merci Marion, on retrouve au passage au deuxième kilomètre, pour rappeler donc les relais qui mènent, bien sûr, c'est normal, avec un relais de l'entente Nord-Anjou qui mène actuellement sur des premiers kilomètres. Et le deuxième relais qui est dans sa foulée, c'est un relais de mix composé de Stéphanie Vaquet, de Karine Martin, deux féminines, donc en deuxième position, ça va très vite pour les féminines. Allez, pour présenter l'un des hommes de tête, Anthony Bedel, de Nord, du Nantes Métropole Athlétis. C'est un garçon qui parcourt son premier semi-marathon. Mais il a réalisé 32 minutes sur 10 km et il détient toujours le record espoir du département de l'Atlantique sur 1500 mètres et 3000 mètres. Et en début de saison, il a remporté le 10 km de Saint-Herblain et il a participé au championnat de France des 10 km en réalisant 33 minutes 41, ce garçon qui est actuellement en deuxième position. Allez! Allez, on retrouve Mario, un point au deuxième kilomètre, Mario. Et oui, en effet, le deuxième kilomètre est désormais passé à un petit peu moins de 7 minutes. Hein. Donc, toujours en tête, le total 542, suivi du 171, 134 et 580. Pardon, Mario. Alors, je disais donc en tête, le total 542, puis le 171, 134, 580 et 547. Donc, plus ou moins les mêmes hommes de toute façon au premier kilomètre. Et puis ensuite, nous avions les retards 438, 511 et 605.
Allez, donc passage au deuxième kilomètre, ils sont sur des bases d'une heure 10, c'est une projection, et on a toujours en tête le Michael Kermino, vétéran de Malaon, et en deuxième position, nous retrouvons donc Anthony Bedel de Nantes Métropole Athlétisme, et le troisième étant Nicolas Tabarro de l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon, de la section de... Alors, nous retrouvons sur la ligne d'arrivée toute l'équipe d'Autisme Sans Frontières avec leur t-shirt bleu, et remercie l'Autisme Sans Frontières qui vous remercie de tous vos dons. Et on va accueillir les podiums. Et Anita, oui Anita, Anita Andrea de Autisme Sans Frontières. Ah, et donc, c'est la fin de course? Ah oui. Où ils sont les. On fait. S'il n'est pas là, il n'est pas là. Allez, cérémonie protocolaire du classement du 5 km. Ah oui, alors donc, là c'est parti. L'association Terre et Mer remercie l'ensemble des participants, les bénévoles, les institutions et plus particulièrement le conseil départemental de Vendée, la mise en valeur de notre belle région Vendée, découverte par le plus grand nombre, font partie des dignités du conseil départemental. La communauté de communes du Talmondet, le rassemblement des valeurs et la mise à disposition des connaissances et des matériels au moindre coût pour toutes les communes est le leitmotiv de la communauté de communes du Talmondet. L'ambition mère, une commune unie, une multiple d'usages. Mère, forêt, campagne et marais, c'est découvrir par les nombreux sentiers prédestes et cyclables. Le Bernard, une commune dans le ventre, jeune et dynamique, posée sur un riche patrimoine historique. Saint-Vincent-Pontard, au pied du Boulay, vous rencontrerez le domaine de Mignon. Vous vous promènerez dans la forêt et sur les plages, dans la station balnéaire, tant aimé par Georges Clemenceau. La Fédération française d'athlétisme et le comité d'athlétisme de la Vendée, santé, dynamisme, découverte de soi dans la pratique de l'athlétisme, c'est ce que nous offre la Fédération française d'athlétisme et le comité d'athlétisme de la Vendée. Vendée d'athlétisme club et son président de Jérôme Breu, ouest Vendée athlétisme, de la motivation, du plaisir et de l'engagement sous le maître mot de Jérôme Breu, président et animateur du LAC, autour de la formation de nos jeunes athlètes avec le support de l'Ouest Vendée athlétisme. Des bénévoles, des institutions, des partenaires et plus particulièrement opticien mutualiste à Tranche-sur-Mer. Pensez opticien mutualiste, vous colle à tous vos besoins pour un vu et oui, par la qualité de leur équipement, simple et électronique. Sable de l'océan, spécialisé dans les travaux de menuiserie métallique, serrurerie, fabrication des vendeurs par Sable à l'huile, le château de l'œuvre. Tour, l'occasion par des lignes régulières, joie et découverte en excursion. Tour vous accompagne dans tous vos déplacements. SARL Brigonneau, Longeville-sur-Mer, la SARL Brigonneau vous propose ses services de transport agricole et travaux au service des agriculteurs. Tout d'abord, auto-école. Abordez la conduite, vous révisez vos codes de la route. L'auto-école tout d'abord vous embarque à Longeville-sur-Mer. Allez, j'ai demandé aux trois premières filles de venir nous rejoindre. Céline Servec. Céline,
et Corinne Vandalen. Corinne, je l'aperçois. Corinne, venez nous rejoindre. Et Perrine Kérisson. Voilà, et voilà, notre première fille. Céline Servette, s'il vous plaît, elle arrive. Allez, mesdames, messieurs, vous avez préparé les appareils photo, les applaudissements. Voici la cérémonie protocolaire du podium féminin. Sur la troisième marche du podium, elle vient nous voir tous les ans, je crois. Non, c'est la première année ? Voici de deux mots athlétisme, Perrine Kérisson. Sur la deuxième marche du podium, Corinne Vandalen. Et elle remporte brillamment l'épreuve de la Florie des Aubrais, Sarran 1951, Céline Servec. Les récompenses sont remises par M. Yvon Allou, président national des courses en stade. Allez, vos applaudissements, mesdames, messieurs. Céline a réalisé 1951 sur le 5 km, Corinne 20-33. Et Perrine de Demont a réalisé, elle est minime, rappelons-le, a réalisé 21-03. Vous pouvez l'applaudir particulièrement, Perrine. Car, merci, monsieur Yvon Allou. Allez, les photos, les applaudissements du public. Et oui, quand je vous dis Perrine. Merci, mesdames et mesdemoiselles. Merci beaucoup. Allez, merci. Cérémonie pour le colère du classement masculin. Sur la troisième marche du podium, il nous vient de Rueil-Malmaison, il réalise 18 minutes et 15 secondes, Grégory Betoul. Et la relève. Sur la deuxième marche du podium, il reste 18-10 du Messurère, elle est en 49, c'est un jeune espoir. Voici Quentin Herproto. Et il remporte brillamment ce 5 km en 17 minutes et 43 secondes. Il n'est encore que cadet de l'Athletic Club de Rochon, Anthony Garcia. Et toute l'équipe Nautisme Saint-Pierre qui a terminé la récompense en remise par Yvon Allou, président du comité départemental des courses hors stade. Oui, il l'a eu en école d'athlétisme. Allez, le temps qu'il vaut, alors on va faire confiance, on va faire retrouver Marion Hérault sur la route du semi-marathon de Terre-à-Mer. Marion, après 18 minutes de course. Eh oui, j'en peux, nous sommes en effet au 5e kilomètre. Le premier vient de passer, et c'est toujours un relais, le dossard 2068, il est passé exactement à 17 minutes et 9 secondes. Donc un départ très très rapide, et puis quelques
Vous m'avez dit, pardon, 164, hein, le deuxième. Le deuxième, 580, et le troisième, 134. Et on applaudit, donc, le podium... Et on fera les podiums par catégorie dans quelques instants, alors qu'on retrouve la route du semi-marathon au 5e kilomètre. On est sur des bases d'1h10 actuellement. Et en tête, un seul volet en tête, bien sûr, par rapport à la qualité des coureurs, puisque c'est deux athlètes de l'entente Nord-Anjou. De l'entente athlétisme Angers, David Cotin, le premier relayeur, qui passera le relais à Sébastien Briand. Et en individuel, donc Anthony Bedel de l'Ordre Métropole Athlétisme a pris la tête et il vient de passer Arnaud Joigean. Arnaud Joigean maintenant en deuxième position. Et en troisième position, Christophe Mindron, après 17 minutes de course sur les relais, un seul relais en tête, et sur l'épreuve en individuel, un seul garçon, Anthony Bedel, de Nantes Métropole Athlétisme. Voilà, donc les coupes qui ont été remises étaient les coupes offertes par le conseil départemental de la Vendée. Allez. Et on retrouve Marion, on arrive au 6e kilomètre, Marion. Et oui, en effet, la tête de course a déjà passé le 6e kilomètre. Alors pour le dossard, 171 premiers coureurs en solo, il est passé à 3 minutes 53 secondes au contact de ce 6e kilomètre. Et il a donc parfois désormais de 45 secondes d'avance sur ses poursuivants qui n'ont pas changé. C'est toujours le dossard 580 et le dossard 134. Oui, excusez-moi Marion, il y a beaucoup de bruit autour de moi, je ne vous ai pas entendu. Aucun problème, j'en fais, je disais donc au 6e kilomètre de 571, hein, toujours premier sur la partie solo, est passé à 20,53, donc au 6e kilomètre, et toujours derrière lui environ une quarantaine de secondes, le 580 et 134. Et puis bien entendu, toujours en fait sur l'avant de la course, le 2068 sur les relais. Merci Marion, donc c'est parfait, donc 6e kilomètre en 20, ils sont toujours sur des bases d'1h10 sur les 21 km 100, toujours Anthony Bedel qui parcourt son premier semi-marathon, c'est son premier, mais c'est un garçon qui va vite puisqu'il parcourt le 10 km en 32 minutes, 6 km, alors qu'on va appeler maintenant les catégories. Thank you.
Allez, on va commencer nos podiums par les podiums minimes. La première minime fille, Perrine, a été récompensée au classement général, donc on l'appelle Émilie Bûcher. Émilie Bûcher de Fontenay-le-Comte et en garçon, Alexis Bernard. Voilà donc les deux minimes. Voilà, ils sont. Voici donc les cadets cadettes Tony Martineau d'Antoine Desmauges et la première cadette. Élodie Garot, la première junior fille, Claire Rochon. Et le premier junior masculin, William Basse, de la télécom de Rochurion. Et le premier espoir, Quentin. Quentin Retour est récompensé sur le classement général, donc c'est Jacques Auchereau qui va venir nous rejoindre.